Non. Faire de l'allocation. Super. Voilà. J'ai un message à faire passer, moi. Il fait chaud. Je prends juste 5 minutes. Désolé pour le dérangement, parce que je suis un militant activiste pour la cause africaine. J'ai un message par rapport à la douleur que ressent les Africains. Moi-même, je suis victime de cette situation parce que je suis un immigré. Un immigré venu en France à cause de la politique qu'on appelle la France-Afrique, politique de merde, qui pousse que les Africains puissent immigrer vers la France. Voilà. Et moi, je suis content que ça sent le flec ici, là. Hein? On est nombreux, on s'étouffe là. Moi, c'est l'ambiance de l'Afrique et j'aime bien. Alors, je vous explique, chers amis, qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Les Africains n'ont plus le droit de choisir leurs dirigeants. Les Africains n'ont plus le droit de choisir leurs dirigeants. On nous impose des dirigeants. La France a pris en otage 14 pays africains. Ils pompent les richesses de l'Afrique. Ils pompent les richesses de l'Afrique. Vous vous demandez pourquoi les immigrés? Nous, on peut rester chez nous. Mais le pot de chocolat vous reviendra à 4 euros. Au cas où vous ne le savez pas. Parce que le cacao, il n'y a que deux pays en Afrique. Ils ont 60% de la réserve mondiale. C'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. À ces deux pays-là, ils ont la réserve mondiale. 60% de la réserve mondiale. La France fabrique ses voitures ici. Il impose ses prix. Mais en Afrique, ils veulent nous faire imposer des prix. Voilà, c'est pourquoi ils nous imposent des dictateurs. Pendant que nous, les peuples, on vote celui qui va bien diriger notre pays, la France organise un coup d'État et nous impose un dictateur afin que les matières premières lui reviennent à bas prix. Et c'est pourquoi, vous voyez, ces Noirs-là, ils migrent vers ici. Et moi, je suis content. Content de cette chaleur-là, qu'on soit nombreux en Europe. Et je les invite, les Noirs, venez encore. Il y a de la place. Qu'on étouffe le métro. Et comme ça, les Français, lorsqu'ils vont savoir qu'on devient nombreux ici, qu'ils se plaignent à leurs autorités. Parce qu'ils ne s'occupent pas de ça. J'ai des photos ici. Voilà, j'ai des photos ici. Là, Emmanuel Macron, avec le plus grand dictateur de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur-là, lui seul, 34 ans au pouvoir. Des tortures, des crimes. Il tue, protégé par la France, par Emmanuel Macron. C'est pourquoi je viens là aujourd'hui pour venir dénoncer, pour venir crier ma colère. On en a marre de rester ici. On peut rentrer chez nous, mais on ne peut pas rentrer tant que la France nous maintient ces dictateurs. Tant que la France nous maintient ces dictateurs, on ne peut pas rentrer. La société totale, toutes les entreprises françaises sont au Congo-Brazzaville pour maintenir cet homme au pouvoir. Je vous explique, chers amis, la société totale, son directeur, qui s'appelle un certain Maurice, il paye la milice privée de ce criminel-là afin qu'il garde le pouvoir. La photo est là. Ça, c'est le directeur de Total, compagnie française. Comment il s'appelle? C'est monsieur Maurice, Guy Maurice. Il paye la milice privée de ce criminel au pouvoir dont le peuple congolais a rejeté, a vomi, afin qu'il se maintienne au pouvoir et que notre pétrole soit bradé. Afin que vous ayez le litre toujours à 1,50€, 1,60€. Si l'Afrique est libre et peut donner librement ses prix, vous achèterez votre litre de l'essence à 3€, 4€. Et nous, on restera chez nous. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi moi, je suis content qu'on soit nombreux, qu'on se touffe dans ce métro-là. C'est l'ambiance de l'Afrique. Ouais, ça sent le flec, ça sent le cochon, ça sent le singe. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Et j'appelle les autres amis africains, venez nombreux, afin que les Français comprennent. S'ils pensent que aujourd'hui la misère de l'Afrique, c'est pas notre problème, c'est les Africains qui souffrent là-bas. C'est votre dirigeant, les pays les plus puissants. C'est eux qui mettent les dictateurs au pouvoir. Et ils osent refuser aux immigrés les papiers. Mais donnez-leur les papiers. C'est vous qui créez cette misère-là dans nos pays. C'est vous qui faites que nous immigrons ici. Pourquoi vous refusez certains immigrés? Donnez-leur des papiers. On va être nombreux ici. Ces immigrés-là que la France refuse, qu'elle veut donner à l'Italie. Ils nous ont placés que des dictateurs, des préfets de l'Afrique. Ali Bongo, un assassin. Sassou Nguesso, un assassin. Ouattara, un assassin. Même Macky Sall, merci. La marionnette de la France au Sénégal. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Voilà.
J'en ai marre de rester ici, qu'on nous enlève de dictateurs. Je ne peux pas parler librement comme je parle ici chez moi. On me tuerait comme un chien. C'est pourquoi nous venons ici. On n'est pas en quête de votre camembert, ni de votre système social. On veut la paix et la sérénité, c'est pourquoi on est ici. Merci.